Les dirigeants de SKF doivent faire preuve de courage en venant se rendre compte du drame que vivent les salariés. C'est la réaction de Philippe Devilliers après l'interview du PDG de SKF France dans les colonnes de Ouest France. Jean Tournoux opposait hier une fin de non-recevoir à la rencontre demandée par Philippe Devilliers avec le PDG du groupe SKF. Dans un communiqué, le président du Conseil général dénonce des propos caractéristiques d'une économie qui, à force de privilégier le capital financier, a perdu toute idée de ce que peuvent vivre les salariés. De son côté, le député du Sud Vendée, Dominique Souchet, a rencontré ce matin à l'Assemblée nationale l'ambassadeur de Suède et l'a longuement interrogé sur le dossier SKF. Il est clair, on l'a bien compris ce matin, qu'évidemment, cette affaire de Fontenay les gêne au moment où ils prennent la présidence de l'Union européenne. Il apparaît clair pour tout le monde que la délocalisation en Inde, c'est pas seulement pour y trouver des salaires plus bas ou des protections sociales moins élevées, c'est aussi pour y trouver des normes environnementales plus faibles. L'ambassadeur de Suède a par ailleurs reconnu être déjà en contact avec SKF sur le dossier vendéen.